Le Centre méditerranéen de la photographie est une association de 1901, créée en 1990, qui est conventionnée par la collectivité de Corse et qui a trois directions de travail. La première, c'est la constitution d'un fonds photographique sur la Corse et la Méditerranée. La seconde, c'est d'organiser des expositions temporaires sur tout le territoire corse. Et le troisième objectif est celui d'organiser des actions pédagogiques, des ateliers de formation à l'image, avec les jeunes et aussi avec les adultes. Nous avons une collection de photographies qui est constituée à peu près d'1 millier d'images. Pour moitié, ce sont des images sur la Corse avec des images qui datent des années 80, 1980 jusqu'à nos jours. Et pour le reste, c'est sur l'ensemble de la Méditerranée avec, on va dire, une petite partie sur le reste du monde, comme par exemple l'Amérique du Sud ou la Nouvelle-Calédonie. Ou l'île de Pâques encore. Voilà. Donc l'exposition Portrait méditerranéen, Ritratti Méditerranée part du principe qu'aujourd'hui la représentation de soi et le rapport à sa propre image prend de plus en plus d'importance. On le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec le selfie et tout ce qui en découle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de proposer quatre regards différents sur les personnes. Quatre regards qui s'inscrivent ensemble dans une interrogation du rapport que le photographe peut avoir à son modèle ou à son sujet. Avec, pour commencer, Antoine Giacomoni qui a réalisé depuis maintenant plus de 30 ans une série de portraits à travers le miroir. Il a proposé à ses artistes de se regarder dans le miroir et le principe c'est qu'Antoine photographie le reflet de l'artiste dans le miroir. Alors, on peut très bien avoir des visages en gros plan, on peut très bien avoir des postures qui sont associées à des objets, qui sont symboliques du métier ou du champ esthétique ou artistique de la personne. Bref, il y a tout un tas d'éléments qui constituent là une mise en abîme du visage de l'autre à travers ce miroir concept. Ce sont des tirages argentiques qui sont réalisés sous agrandisseur, donc à l'ancienne comme on dit. Et puis, parallèlement à ça, on a également, issu de notre collection, les photographies d'Albano Silva Pereira. Il y a quatre photographies d'Albano qui sont extraites d'une série de 15, Albano Silva Pereira, qui est portugais, et qui, à l'époque, on lui a passé la commande photographique dans les années 98-99, je n'ai plus la date exacte, avait décidé de travailler sur Bonifacio et surtout sur la communauté portugaise à Bonifacio, ce qui fait que l'on a des images qui sont à la fois de paysage, mais aussi des gens dans le paysage, où on considère un petit peu le portrait comme paysage et le paysage comme portrait. Et puis il y a également, issu de la collection du centre, des photographies de Jens Rösch, photographe est-allemand. Ces photographies-là datent de 1994, alors pour le coup, elles sont aussi des photographies argentiques, tout comme les photographies d'Albano Silva Pereira. Ces photographies en couleur présentent un petit peu des portraits de rue. On va dire que c'est un petit peu ça appartient, ce principe de photographie, à la street photographie où Jens Rösch a décidé de photographier des gens dans la rue, dans leur contexte, tels qu'ils étaient, tels qu'il les rencontrait. Et ce qui fait qu'on a des images avec 25 ans de recul par rapport à 1994, des images un petit peu qui semblent passer, appartenir à une autre époque. J'en vous propose une photographie où on a un jeune couple qui est devant une cabine téléphonique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les cabines téléphoniques ont complètement disparu. Peut-être en Angleterre, il y en a encore, mais en tous les cas, chez nous, on n'en a plus. Et puis, il y a le travail important aussi de Jean-François Joly, qui sont des portraits de Bastiais de la rue droite, portraits qui ont été faits dans les années 2000. Et portraits en noir et blanc, tout comme les photographies d'Antoine Giacomoni en noir et blanc et celles d'Alban, qui sont en noir et blanc. Et Jean-François Joly, lui, a cette particularité de travailler avec le film Polaroid, qui contient ce film-là à négatif, ce qui fait que lorsqu'il réalise son image, il utilise un agrandissement d'après le négatif Polaroid. C'est ce qui crée un petit peu ces coulures que l'on a sur le côté de l'image. C'est ce qui donne un petit peu ce côté vintage au portrait qu'il réalise.
Et alors, le travail qu'il a mené sur la rue droite, ce sont des gens qu'il a photographiés chez eux, qui ont bien voulu être photographiés. Donc, c'est pas Jens Rösch, où le photographe se promène dans la rue et lorsqu'il voit un visage qui l'interpelle, une situation, il la déclenche, il la photographie. Jean-François Joly, lui, était dans une autre dynamique, puisque c'était une commande qu'on lui avait passée sur la rue droite, parce qu'il y avait eu, il y a quelques années, des tensions assez importantes dans la rue droite, notamment entre les Corses et les Maghrébins. Et il y avait donc une volonté de notre part et de celle de Jean-François de témoigner par la photographie de ces personnes qui vivaient dans la rue droite. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a des portraits de styles et d'origines différents, au niveau des origines, bien sûr. Mais on a le même dispositif de Jean-François Joly, qui est la pose, le portrait est le sujet principal, et il est surtout photographié dans son milieu, dans son intérieur. Voilà. C'est un rapport assez intime que l'on a avec Jean-François Joly dans le traitement du portrait. Donc nous avons dans cette exposition quatre types de regards, comme je l'ai dit, deux regards qui sont plus intimistes et puis deux regards qui sont plus décalés, qui sont plus des regards appartenant à la street photographie. Voilà.